Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Il y a le taureau. Le taureau. Le taureau, ça veut dire. Ah les gars, ça. Bonjour. Tout le monde est bienvenu pour cette nouvelle vidéo. Et je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'étais de bonne humeur aussi hier. Mais après, je suis devenu de mauvaise humeur. Et donc pourquoi j'ai été de mauvaise humeur? Je voulais pas être de mauvaise humeur, les amis. Mais voilà. Et je suis quand même devenu mauvaise humeur. Alors pourquoi? Vous savez que j'ai un Discord. J'ai dit dans le Discord que j'ai lancé le 15 juin, les amis. J'ai dit au moment où j'ai fait la vidéo qui dit bonjour mes enfants. Bonjour mes grands. Bonjour les vieux. Bonjour les jeunes. Bonjour tout le monde. Je vais faire une vidéo. Bonjour les méchants. Bonjour les gentils, je vais faire une vidéo aujourd'hui parce que je vais lancer mon Discord. La première fois que Field de Caressing va lancer un Discord communautaire, blablabli, blablabla. Je savais le prix à payer hein, derrière, je le savais, mais bon. Comme je savais le prix à payer, j'ai annoncé sur cette vidéo, allez la voir, elle est toujours en ligne. Les amis, je ne veux sur ce groupe Discord que des gens qui m'aiment. J'ai peut-être oublié de dire qu'ils partagent mes valeurs. Ça, c'est peut-être si, bah, j'aurais peut-être dû le dire, mais moi, je me dis que quand tu aimes quelqu'un, bah, tu partages ses valeurs, mais effectivement, j'aurais peut-être dû préciser parce qu'on ne précise jamais assez. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit dans une vidéo déjà, tout ce qui peut être mal interprété le sera. Et c'est ce qui s'est passé hier. Ça a été mal interprété, bah oui, évidemment, parce que tout ce qui peut être mal interprété le sera. Donc tout ce que je dis, s'il y a moyen de mal l'interpréter, il le sera. Et tout ce que la personne va me dire, s'il y a moyen de mal l'interpréter, ça le sera aussi. Et donc, ça devient un peu la guerre. Et donc là, j'avais précisé à l'époque, j'ai dit, les gars, vous m'aimez pas. Vous trouvez que mes valeurs, c'est pas vos valeurs parce que effectivement, bah, des fois, je vais gratigner un peu par-ci, par-là. Je vais dire que les gens, 80% de la population, c'est des confinis qui sont complètement idiots. Alors, c'est vrai que ça dérange un peu parce que quand t'es dans cette catégorie-là, tu dis, mais le mec, il est en train de m'insulter. Et donc, forcément, ça va vous secouer un peu. Mais j'ai précisé, j'ai dit, les gars, moi, j'oblige personne à venir, j'en ai rien à péter. J'ai même dit dans cette vidéo que je faisais ce Discord parce que j'étais égoïste. Qui fait ça? Expliquez-moi quel YouTuber dans le monde crée un Discord en disant, les gars, si vous m'aimez pas, vous restez à la porte. Et le Discord que je fais, c'est égoïste, c'est que pour ma gueule. Qui dit ça dans une vidéo? La plupart du temps, les mecs, ils font un Discord en disant « Venez, c'est Casimir et Bianca, et puis on va tous s'amuser, venez, venez, venez chez moi, ça va être super !» Moi, j'ai pas fait ça, j'ai dit « Les gars, vous venez chez moi que si vous m'aimez, et vous savez comment je suis, vous savez que des fois ça va pétarader, vous savez que si vous arrivez et que vous dites que ACC c'est net, vous allez vous faire dégager, vous savez plein de trucs, les gars, vous savez plein de trucs, c'est pas comme si j'étais quelqu'un dans une cave cachée, non. Je vous dis, le fond de ma pensée, je dois être un des seuls. Parce que faut pas être trop... Faut être plutôt dans la catégorie des inodores incolores, les gars, si vous voulez être tranquille dans la vie. Quand vous commencez à avoir un petit peu de caractère, un petit peu de conviction, un petit peu de choses un peu tranchées, eh bien là, bah évidemment que bah, vous vous confrontez aux valeurs des autres. Et c'est toujours la même chose, c'est une question de valeur. Et donc, j'avais dit à l'époque, dans mon Discord, les gars, attention, c'est un Discord égoïste, c'est pas un Discord de Mozart Racing, c'est pas le Discord de Fanatec pour vendre du produit, c'est pas le Discord de je ne sais qui pour créer pour attirer des gens sur le Discord et ensuite vendre des prestations. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai dit, moi, je fais ce Discord parce que j'ai envie de rouler avec des potes. J'ai envie de m'amuser avec des potes. Quand j'ai une merde, j'ai envie que les gens m'aident et que ce soit des gens qui puissent m'aider, mais qui partagent mes valeurs et avec qui j'aime bien tourner. Je n'ai pas à m'infliger dans mon Discord, c'est-à-dire à la maison. Des gens qui ne partagent pas mes valeurs et qui vont me faire chier. Mais c'était clair et net, putain. C'était clair et net. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a une personne du Discord qui a mis un message hier matin en disant « Oui, je trouve que c'est pas normal que sur X personnes, il y en ait que X qui ait donné le don. » Voilà, un don pour Philippe, un don PayPal, machin. Donc moi, à l'époque, il y avait rien sur ma chaîne, il y avait que dalle. C'est en regardant mes concurrents, mes camarades, youtubeurs, j'ai dit, bah, putain, ils ont des liens d'affiliation pour trucs, ils ont des liens d'affiliation pour ça, ils ont un lien PayPal pour faire des dons. J'ai dit, moi, j'ai que dalle. Alors, bon, j'étais un peu surpris qu'ils fassent ça, et j'ai dit, bah, tiens, ça serait pas mal que je le mette, peut-être. Et là, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, bah, oui, Philippe, c'est quand même couillon, parce que t'apportes quoi? J'aurais mis un lien d'affiliation que je n'ai pas encore, Fanatec, les gars. Mais j'aurais gagné un fric de dingue.
Enfin, un fric de dingue, j'en sais rien, mais Franck Onen, il avait dit à l'époque qu'il s'était fait 1500 euros dans l'année. Honnêtement, avec un lien juste Fanatec, combien j'ai fait vendre de base Fanatec CSLDD, moi? Combien? Combien j'en ai fait vendre? Je sais combien j'ai fait vendre de Venim, mais je sais pas combien j'ai fait vendre de Fanatec base Fanatec. Je sais pas. Combien? Ça doit être colossal. Colossal. Alors évidemment, Fanatec, c'est la machine de guerre, donc c'est plus facile d'aller acheter un CSLDD, c'est plus facile de convaincre quelqu'un d'acheter un CSLDD qu'un produit qui est inconnu, évidemment. Mais on est des influenceurs quand même. Et donc quand on dit qu'un produit est bien, machin, bah, en général, on influence les gens en fonction de comment est-ce qu'on les touche. Et on va les toucher si on partage leurs valeurs, et c'est une question de valeur. Et donc la personne, elle a dit, oui, c'est pas normal que les gens, franchement, ils fassent pas. Et là, ben, y a eu quelqu'un qui a dit, ben, moi je suis pas d'accord, mais moi je dis pas que c'est pas bien ou que c'est bien, mais quand tu vas argumenter, quand tu commences à lire dans le truc, oui, c'est pas normal parce qu'il n'y a aucun Discord, qui est payant, pourquoi est-ce qu'on devrait être obligé de payer, honnêtement, c'est pas logique, machin truc. Bon, alors toi tu lis les arguments, déjà tu dis, mais déjà c'est pas moi qui ai mis le message en disant c'est bien quand même de faire un don par rapport à tout ce qu'on fait. Et quand tu lis le message, tu dis, bah putain, bah dis donc, c'est donner beaucoup de valeur à ce que je propose. Déjà, c'est vexant. Déjà, c'est vexant parce que tu te dis, punaise, ça veut dire que finalement, parce que je peux vous dire que là, sur le Discord, c'est un truc de malade. Sur le Discord, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous arrivez sur le Discord et vous avez de l'information sur tout. Vous voulez un stream deck, vous ne savez pas comment il marche, vous allez avoir l'information. Vous voulez acheter un volant, vous allez l'information. Vous avez des codes promo sur des produits. Vous avez des hosts, vous avez des championnats. Vous pouvez rouler avec des potes, vous pouvez rouler sur AMS2. Vous avez des défis. On a même lancé il y a 4 jours Star Citizen. J'ai dit, les gars, Star Citizen, c'est quoi? On m'a dit, c'est super, c'est un jeu spatial, machin. Si tu veux, je peux t'aider. Ok, on a lancé un truc coaching pour lancer Star Citizen. On a fait samedi dernier. Samedi matin, hop, tout le monde sur le vocal et tout accessible gratuitement, tout ça. Évidemment, parce que j'ai jamais fait payer mon Discord. Jamais. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai dit, les gars, je mets en place un lien de don, quoi. Et si vous trouvez que c'est pas mal ce que je fais, si vous voulez témoigner de votre reconnaissance, de votre gratitude par rapport à ce que je vous apporte, eh bien, vous pouvez faire un don. C'est ça que j'ai dit. Et dans les dons, j'ai dit, vous pouvez donner 1 euro, je m'en fous, 1 euro, 10 euros, 15 euros, alors il y en a, ils donnent 30 euros. Mais l'idée, c'est de dire, les gars, vous pouvez le faire, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé, le Discord, il est gratuit, vous venez, voilà, du moment que vous respectez les règles, il n'y a pas de problème. Il y a des gars, ils se sont pointés, ils ont voulu vendre leur ligue iRacing pour les Belges. Enfin, les gars, à un moment donné, après, ils s'étonnent d'être bannis, mais je comprends, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je dise, vas-y, fais ta publicité dans mon Discord, il y a 600 personnes, comme ça tu vas toucher tout le monde, c'est super. Les gars, enfin, à un moment donné, il faut quand même être sérieux, moi je veux bien être sympa, mais il y a quand même des limites. Donc le gars, après, il est étonné, et puis le gars qui se fait bannir parce que il va dans un autre Discord dire que je suis un célibataire triste et prétentieux, il est étonné de se faire bannir. Mais c'est un truc de dingue quand même. Le Discord Field de Caressing, c'est ma maison. C'est chez moi. Vous rentrez ça dans votre cerveau, les gars. C'est chez moi, c'est ma maison. Et donc, si je veux que la cuisine, elle soit à droite, elle sera à droite. Et si t'arrives chez moi pour me dire, non, la cuisine, ça serait mieux qu'elle soit à gauche, et que je te dis, non, t'as pas à me dire que c'est une dictature. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce que je l'ai vu passer aussi, ça. C'est, oui, c'est une dictature, machin. Mais c'est une dictature, mais mon pote, va en dictature voir ce que c'est. Parce que tu sais pas ce que c'est une dictature, et c'est pour ça que t'as le mot dictature à la bouche, parce que si t'allais vraiment là où il y a une dictature, tu prononcerais même pas le mot, en fait. Tu prononcerais pas parce que tu te tires en prison direct. Donc là, quand je vois ça passer, qu'on me dit, oui, c'est une dictature, c'est pas une dictature, mais c'est pas non plus une démocratie. Voilà, c'est entre les deux. C'est-à-dire que le mec qui vient m'expliquer ce que je dois faire chez moi, évidemment que ça va m'énerver, évidemment. Le gars qui va arriver, qui va pas respecter les règles de base que j'ai mis dans le règlement, évidemment que ça va m'énerver, les gars. Vous croyez quoi? À un moment donné, c'est logique. Et le pire du pire, c'est que j'ai filtré à l'entrée. Alors imaginez si j'avais pas filtré. J'ai filtré à l'entrée en expliquant qu'il y avait des gens qui voyaient l'herbe verte et l'herbe bleue. J'ai expliqué tout ça. J'ai expliqué que le Discord, c'était quelque chose d'égoïste pour ma gueule, pour moi, et que si quelque chose que je faisais pour moi pouvait servir à d'autres, c'était génial. Mais que la porte d'entrée et la base du truc, c'était pour moi, personne d'autre.
Alors après, évidemment que ça déborde, c'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui ont répondu. Alors moi, dans mon Discord, c'est vrai que ceux qui ont une petite couronne, c'est ceux qui ont fait un don, parce que je voulais quand même les identifier et dire, bah putain les gars, merci quoi. Merci, mais même quand vous me donnez un euro, ça me fait plaisir. Parce que le gars, voilà, il a pris la peine d'aller faire son compte PayPal, d'aller donner un euro et de dire, punaise, voilà, le gars, ce qu'il fait depuis 3-4 ans, bah moi, ça m'a bien aidé quand j'ai voulu acheter ma base, quand j'ai voulu régler mon CSLDD. Et puis là, dans son Discord, mais punaise, j'étais emmerdé avec le châssis, avec le bidule, machin. Tout de suite, il m'a donné une solution. Des personnes probablement qui ont eu le code promo Vélim que j'ai diffusé il y a quelques semaines, ils ont économisé 70, 80, 90 euros sur un pédalier. Ça, c'est gratos, les gars. Faire une vie. Alors après, on m'a dit, bah oui, mais Philippe, il gagne de l'argent avec la chaîne YouTube, avec les liens. Alors on m'a dit, les liens, oui, je suis passé par ton lien Racing, du coup, t'as gagné un cadeau Racing. Bah oui, mais ça t'a rien coûté, mon pote. C'est-à-dire que si t'es allé sur Racing, c'est grâce à moi. Ok? Parce que sinon, tu serais encore avec tes couches ACC. Ok, donc viens me dire. Alors évidemment que du coup bah t'es parti sur iRacing parce que j'ai dit que iRacing c'était bien et que j'ai réussi à te convaincre. Après toi tu cliques sur le lien qui va faire que je vais avoir un cadeau, ça te coûte que dalle. Ça te coûte que dalle pour toi, ta vie elle a pas changé, tout se passe bien pour toi. Au contraire elle est encore mieux ta vie de simracer puisque évidemment tu vas mettre les mains dans un jeu où tu vas voir que jusqu'à présent c'était pas une vie de simracer que t'avais. Et oui. Donc bon alors après les gens ils prennent mal les choses. Ah bah oui, ils prennent mal les choses, mais moi, ça m'a ouvert les yeux. Alors là, ça m'a ouvert les yeux. Parce que dans le message, il y avait quand même noté « Je pense tout bas ce que beaucoup pensent tout haut ». Alors ça, la plupart des gens qui disent ça, ils prennent leurs croyances pour des réalités. En fait, on est tous différents et je l'ai expliqué dans une vidéo il y a quelques temps où j'avais parlé des givers, des takers et des matchers. Les givers, ils donnent sans rien espérer en retour. C'est des gens qui donnent, qui donnent, qui donnent. C'est ce que j'ai fait pendant 3-4 ans avec ma chaîne YouTube. Je faisais des vidéos pour aider les gens. Jamais j'ai mis un lien PayPal, un lien RSI, rien à foutre. J'étais là, je donnais, je donnais, je donnais parce que au fond de moi, je suis un giver. Je suis pas dans le calcul en train de me dire « Putain, alors attends, si je donne ça, bah, il faut que le mec il paye. » Parce que si moi, naturellement, il n'y a aucun YouTuber aujourd'hui sur cette planète qui n'est pas un giver, les mecs. Aucun. Même un mec qui vend du coaching avec sa chaîne, c'est pas un taker, c'est un giver, les mecs. C'est un giver. Pourquoi ? Parce que donner de la vidéo YouTube gratuitement, mes amis, ça coûte un bras. Ça coûte un bras, pourquoi ? Parce que ça coûte du temps. Et le temps, c'est la plus grosse valeur qu'on ait aujourd'hui. C'est la valeur la plus précieuse, les amis. Et quand je fais une vidéo qui dure... Moi, mes vidéos, elles durent 20 minutes. Hein. 20-25 minutes. Hein. 20-25 minutes, vous multipliez par 3-4 le temps derrière. Donc, c'est tout de suite 2 heures. D'accord ? Montage, etc. Revoir ce que j'ai dit pour voir si j'ai pas dit de conneries. Mon avocat regarde toutes mes vidéos pour voir s'il n'y a pas de diffamation, etc. Et donc, ça me prend du temps, mes amis. Ça me prend du temps de le faire. Et donc, du coup, c'est gratuit tout ça. Le gars, il arrive sur la chaîne YouTube, il fait « Oh putain, une nouvelle vidéo. Ah bah tiens, mais j'ai appris ça, j'ai appris qu'il y avait un nouveau circuit sur Homobusta 2, j'ai appris ci, machin. » Et alors les gens, ils sont marrants parce qu'ils vont me dire « Bah oui, mais les autres, ils font aussi gratuit. » Bah ouais, les autres, ils font aussi gratuit, mais ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai envie de dire « Ils font ce qu'ils veulent. » Moi, c'est gratuit, ma chaîne aussi, elle est gratuite. Alors là, quand on me dit « Philippe, c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui ose dire « Oui, ça serait bien quand même que les gens fassent un don de 1 euro pour remercier Philippe par rapport à tout ce qu'il fait, mais les mecs, c'est une question de valeur. » Ça n'a rien à voir avec moi, mais rien du tout, rien à voir avec moi en fait. C'est une question de qui vous êtes et quelles sont vos valeurs les gars, c'est tout. Vous avez la possibilité de montrer votre gratitude, de montrer que putain, ce truc là, j'adore. Ça me coûte combien ? Rien. Ben merde putain, il n'y a pas moyen de... Moi au début, vous savez, c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail en me disant « Philippe, j'adore ce que tu fais, comment est-ce que je peux témoigner ?» T'as pas un truc, un lien comme les autres youtubeurs où je peux te donner 4 euros, 5 euros? C'est comme ça que c'est parti le truc. Et là j'ai fait, bon, je suis allé voir les autres chaînes de YouTube, puis j'ai vu dans les descriptifs qu'il y avait des liens PayPal machin, et là j'ai fait, ah bah ouais c'est pas con, merde, le mec, moi j'étais démuni, j'ai pas su quoi lui répondre quand il m'a envoyé ce mail là. J'ai dit, bah écoute, non mais ça me fait plaisir, hein, j'ai fait le truc de base, non mais ça me fait plaisir, t'emmerdes pas machin. Mais il m'a planté une graine dans la tête. J'ai dit, mais, bah ouais. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le lien à iRacing. C'est hyper récent. Remontez toutes les vidéos, les gars. Après, je me suis amusé à mettre mes liens dans les anciennes vidéos. Mais j'ai pas pu remonter trop loin parce qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Mais si vous remontez mes vidéos, vous allez voir que c'est hyper récent. Comme la création du Discord, elle est hyper récente. Parce que je savais que dès qu'on est sur un truc communautaire, eh ben, tu te confrontes à toutes les personnes qui n'ont pas tes valeurs, sachant que les givers, c'est 20% du marché, les mecs. 80% du marché, ce ne sont pas des givers. Ce sont des matchers qui donnent autant qu'ils reçoivent
et des takers. Takers. Takers, c'est 30% des gens. Ils prennent. Ils prennent tout. Et dès que tu leur dis, ah ben non, là, tu peux plus prendre. Et ben là, ils s'énervent. Et ils disent, oui, t'es méchant, t'es un gros con. Parce que tu dis, ah ben non, là, tu peux plus prendre. Là, ça suffit maintenant. T'as déjà trop pris. T'as rien donné en retour. Donc maintenant, t'arrêtes. Et ça, ça les énerve profondément, évidemment, parce qu'on est dans une société aujourd'hui où tout est gratuit. Tout est gratuit. Hein? Par contre, ça ne te dérange pas du tout de mettre 5000 euros dans un setup de simracing. Par contre, donner 1 euro à un mec qui t'a pondu un Discord, qui t'aide depuis plein d'années, machin, ça, tu peux pas le faire. Parce que tu te dis que mon principe, le principe, vous vous souvenez, le principe, c'est ben non, j'ai pas à payer ça. Le mec, il le fait parce qu'il veut bien et il gagne de l'argent avec sa chaîne YouTube parce qu'on me l'a dit, tu gagnes de l'argent avec ta chaîne YouTube. Ça, c'est encore une croyance. Vous croyez que je gagne combien avec ma chaîne YouTube? Mettez dans les commentaires, les gars. Avec la chaîne YouTube, je gagne combien? Je gagne entre 0 et 100 euros, 100 euros et 200 euros, 200 euros et 300 euros, plus de 300 euros. Mettez-le dans les commentaires que je vois quelles sont vos croyances par rapport à une chaîne YouTube. Est-ce que Phil de Caracing, avec sa chaîne YouTube, il gagne entre 0 et 100 euros, entre 100 et 200 euros, entre 200 et 300 euros, plus de 300 euros. Allez-y, je vous crache dessus. allez-y les gars, allez-y, dites-moi. Parce que je vais bien rigoler avec les commentaires et avec ce que vous pensez, je vais bien me marrer. Et ensuite, je vous dirai la vérité, je vous montrerai mon écran et combien je gagne. D'accord? J'ai fait un coaching avec Antotitus récemment. Je vais faire une vidéo sur ce coaching. Et les prix de Antotitus, finalement, c'est, je crois que le premier ticket d'entrée, c'est 90 euros les 4 heures. 90 euros les 4 heures. Et il y a des gens, ils trouvent ça cher. Il y a des gens, ils trouvent que ça, c'est cher. C'est pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est un problème de valeur, les gars. À un moment donné, Antotitus, il fait le ménage dans votre manière de conduire et donc il est payé comme une femme de ménage, là, à ce niveau-là. 90 euros les 4 heures. Moi, je serais coach, mais moi, ça serait 400 euros l'heure, les mecs. Avec des engagements de résultats, par contre, parce que là, quand tu commences à payer 400 euros, t'as intérêt à gagner 2 secondes. Mais il y a des gens qui me disent à moi, oui, c'est cher, mais... Ça, c'est des trucs, vous voyez, c'est un truc de valeur, les gars. C'est un truc de valeur et je ne pourrais pas les convaincre. Et il y a quelqu'un qui a dit, tu as le choix entre être heureux ou essayer de convaincre les gens. Voilà. Et moi, maintenant, finalement, je vais choisir d'être heureux. Je vais plus essayer de convaincre les gens parce que c'est mort. C'est voué à l'échec, vous ne pouvez pas. Parce que forcément, si tu arrives à le convaincre l'autre que tu as raison, ça veut dire qu'il a tort. Et les gens ne veulent pas avoir tort. Et donc, ils vont dire, bah non, j'ai pas tort. C'est normal de ne pas payer un Discord, c'est normal de ne pas donner de l'argent. Le Discord, il est gratuit. Mais on m'a ouvert les yeux là. On m'a ouvert les yeux hier. Hier, avec les débats qui s'est créé, ça m'a ouvert les yeux, les amis. Et là, je dis, punaise. Alors, on m'a dit aussi, oui, t'auras pas les couilles de machin, de passer de 600 personnes. On est 660, mais 590 ou 600 qui se sont présentés. T'auras pas les couilles de passer de 600 à 50. Ah bon? Ah bon? Ah, d'accord. J'ai fait le Discord pour qu'il soit le plus gros possible. Et là, on arrive à la question. Qualité ou quantité? C'est quoi? Qualité ou quantité? Moi, j'aime la raclette. Si j'en mange trop de la raclette, eh ben, j'ai mal au bide et je dors mal le soir. Et je peux vous dire que ça fait bizarre. Et après, quand je me retourne dans mon lit toutes les 3-4 minutes, je dis, putain, je mangerai plus de raclette. C'est pas possible, je pourrais pas manger de raclette, c'est mort. Et pourquoi? Parce que j'en ai mangé trop. Et la raclette, c'est bon quand vous mangez juste ce qu'il faut. Et là, c'est délicieux. Et donc, l'équilibre, c'est ça qui est important. Et oui, c'est l'équilibre. C'est ni la quantité ni la qualité, c'est l'équilibre. Moi, je vois la qualité qu'il y a dans le Discord là. Moi, je suis sur plein de Discord, hein, d'accord? Les gens, ils pensent que ouais, bah, Philippe, il voit pas ce qui se fait ailleurs. Et ils viennent me donner des leçons. Tu sais, dans tel Discord, c'est comme ça. Ah bon? Mon Discord, c'est le plus dynamique. J'en ai pas vu d'autres comme ça. D'accord? Et alors, on va me dire encore, ben oui, mais Philippe, il est prétentieux. Il dit que son Discord, c'est le meilleur, machin. Bon, moi, je vous dis que mon Discord, c'est le plus dynamique. Alors, évidemment, je me sens bien, c'est ma maison. Donc, je me sens mieux qu'ailleurs. Mais 600 messages jour, les mecs. Voilà. Comment vous voulez suivre dans tous les domaines, tous les jeux, tous les matos, tout. On parle de tout, tout le temps. Voilà. Il y a plein de rubriques. Il y a du live sport. Il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez trouver dans un Discord, quoi. Voilà. Et donc, à un moment donné, la vraie question que je dois me poser,
C'est je suis dans ma maison avec qui je veux être dans ma maison. C'est vrai que là, il est monté. Il y a des gens qui sont arrivés sur le Discord. Ils n'ont jamais vu ma vidéo de Discord qui expliquait que le Discord était égoïste et que c'était pour ma gueule. Et que si vous vouliez venir avec moi dans ma maison, il fallait partager mes valeurs. Il y en a plein qui n'ont pas vu cette vidéo et qui sont dans mon Discord. Donc forcément, il y a une sorte de dissonance entre ce que je peux penser, mes valeurs et les valeurs de ces gens-là. Mais c'est vraiment une question de valeur. C'est vraiment une question de valeur. Parce que moi, je ne vais pas convaincre quelqu'un. Oui, mais c'est quand même bien de donner 1 euro parce que tu as vu tout ce que tu peux te récupérer. Et puis le mec, comme il est sur des principes, il va dire, ben non, moi, je par principe, je ne paye pas un Discord. Parce que tous les Discords où je suis sont gratuits, donc je ne paye pas. Il y a des YouTubeurs qui font des championnats, ils font payer 2 euros. Moi, les championnats que j'ai faits, j'ai payé 2 euros. Moi, mon championnat Mazda Cup, il est gratuit. 0 euros. Quand je fais une ligue Field de Car Racing, je la paye. Je paye la ligue à l'année, j'en ai fait 2. Tous les hosts, je les paye. Bah oui, mais Philippe, les hosts, ils sont pas chers, machin. Mais c'est pas une question de cher ou pas cher. C'est une question de qui paye et de quelle valeur vous mettez dessus. C'est toujours la même chose. C'est une question de valeur, mes valeurs, et la valeur de ce que je pense obtenir en arrivant là où je vais et en achetant ce que j'achète. Quelle est la valeur que je mets derrière? Évidemment que je vais beaucoup moins sensibiliser les gens qui pensent que iRacing, c'est trop cher. Évidemment que je vais moins les sensibiliser parce que eux ils sont dans un système de valeurs qui fait que bah non, un jeu ça ne peut pas coûter ce prix-là. Et donc forcément on va être en décalage. Si moi je veux essayer de les convaincre, ça va être compliqué, mais je vais essayer malgré tout. Mais je vais refuser d'être heureux parce qu'il y en a beaucoup que je ne vais pas arriver à convaincre et donc où je vais être déçu. Et je vais dire merde putain, lui j'ai pas réussi à le convaincre, c'est dommage, il passe à côté d'un truc cool. Mais bon, c'est pas grave, tant pis pour lui. Mais c'est toujours la même chose, là j'ai essayé de discuter avec des gens qui n'avaient pas forcément le même avis que moi sur ça, sur le fait de donner ou de pas donner. Bah on trouve pas de terrain d'entente, on n'y arrive pas, voilà, on trouve pas de terrain d'entente. Et donc c'est la preuve qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un de changer ses croyances. C'est impossible. Le seul moyen de changer les croyances de quelqu'un, c'est de changer aussi son identité. Et ça c'est inconscient. C'est inconscient, donc c'est pas un truc où je vais dire à quelqu'un « Mais non, mais tu devrais pas penser comme ça, parce que tu comprends, le gars il a fait ça, ça, et donc c'est quand même sympa, si tu lui donnes 5 euros, il sera content, et puis du coup, bah, tu vas obtenir quelque chose probablement derrière, parce que c'est exactement ce qui passe avec les givers et les Mazdiami. C'est tout ce que vous faites dans la vie, vous le récupérez, c'est ce qu'on appelle le karma, il y a un prix à payer dans tout. Vous pensez que le mec qui m'a pas fait de don, entre le mec qui m'a pas fait de don, même pas 1 euro, et puis le mec qui m'a donné 15 euros, à votre avis, au moment de choisir les gens que j'intègre dans mon championnat, je prends lequel? Allez, à votre avis, vous prendriez lequel? Vous prendriez lequel? Celui qui a fait un don de 5 euros, 10 euros ou celui qui a fait un don de rien et qui dit tout m'est dû, je suis là parce que je suis déjà bien gentil d'être dans ton Discord et donc je fais honneur avec ma présence à ton Discord. Vous pensez que c'est lequel que je vais prendre? Honnêtement les gars, dans la vie il y a toujours un prix à payer, il y a toujours quelque chose qu'on retrouve en donnant. Je donne quelque chose et derrière j'attends un retour et c'est ce qui se passe de façon naturelle. Parfois on va donner sans attendre de retour, moi ça a été le cas pendant 3-4 ans avec ma chaîne YouTube, j'ai donné, pff, honnêtement il se passait rien, il n'y avait aucun retour. Là à un moment donné je me suis rendu compte que la concurrence etc, les gens autour de moi m'ont dit mais Philippe t'es con quoi. Et donc là j'ai dit ah bah ouais, moi il y en a plein dans le Discord les amis, parce qu'on me dit il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi dans le Discord. Tiens, parce que c'est faux, mais on pense que, d'accord, parce que s'il y avait beaucoup de gens qui pensent comme toi dans le Discord, on serait deux. Donc non, il y a beaucoup de gens dans mon Discord qui pensent comme moi, d'accord. Et donc, oui, ben, quand même, tu devrais faire payer ton Discord, Philippe. Moi, plein de mecs me l'ont dit, hein, plein. Donc je peux dire aussi la même chose, il y a plein de gens qui pensent tout bas que je devrais faire payer certaines catégories de mon Discord. La catégorie garage où on dépanne les gens en 2 secondes. La catégorie coaching qui va arriver où on va pouvoir aider les gens à progresser sur plein de domaines. Là, on a fait un coaching sur Star Citizen. Vous imaginez le Star Citizen. C'est-à-dire, moi, j'ai dit, bah, je veux me lancer dans le jeu. Comment ça marche? C'est quoi ce bordel? Machin. Ok, séance coaching, 1h30. Je t'explique tout du début de A à Z. Et on l'a fait. Voilà, c'est ça l'avantage d'avoir ça de Discord. Mais à la base, j'ai fait pour moi. Là, moi, j'ai fait, ok, les mecs, les gars, ils se sont retrouvés là. Ils ont dit, bah, moi aussi, ça m'intéresse Star Citizen. Je connais pas, bah, je viens sur le coaching. Et on l'a fait le coaching. Voilà. Demain, on fait un coaching sur AMS2, peut-être, sur comment régler sa bagnole sur AMS2, le setup, machin. Parce que moi, j'y connais rien, je suis une brêle. Je vais prendre un mec qui va venir nous expliquer. Voilà. Tout ça, c'est gratuit, les gars.
Vous accédez, tout ça, c'est gratuit. Quand il y a un gars qui ose dire dans le truc en mettant un message personnel qui vient pas de moi, moi j'en ai rien à péter, le mec il met son message tout seul. Il dit quand même, les gars, ça serait bien de faire un don, machin. Et qui se prend les messages en face de gars qui disent, bah non, je trouve pas ça normal, Philippe il gagne de l'argent avec ça, 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 ça. Et toi t'es là, t'es Philippe. Et tu vois le message et tu fais, comment vous voulez que je m'énerve pas? Honnêtement, c'est obligé que je m'énerve. Donc, je prends une bonne respiration et je dis, bon, je vais pas les latter tout de suite. Je vais pas les bannir tout de suite. Je vais prendre sur moi, machin. Quand le même soir, du même jour, un mec qui a mis un pouce comme ça au message du gars qui dit que c'est pas normal de faire payer, de donner, etc. Le mec, il vient dans le garage des Stream Deck expliquer que, oui, je suis emmerdé, j'ai un gros problème avec mon Stream Deck. Est-ce que vous pouvez m'aider à configurer les boutons, les machins, les boutons, les machins, les deux, là. Quand moi, je vois ce message-là, eh bien, évidemment que je m'énerve et que je réponds. Personne ne lui répond, merci. Voilà, personne ne répond à ce monsieur, merci. Et au revoir. Va sur les autres Discord gratuits, posez ta question. Et oui, parce que chez moi, tu auras eu ta réponse dans 2 minutes. Parce que des mecs qui connaissent les Stream Deck, il y en a plein. Alors, est-ce que le Discord va devenir payant? Est-ce que je vais me débarrasser de tous les takers? De toute façon, les takers, ils servent à rien. Honnêtement, ils servent à rien. Ils viennent, ils prennent, ils se cassent. Donc, je veux dire, c'est pas une grande perte parce qu'il y a une personne, elle m'a dit, oui, mais on va voir si tu vas avoir les couilles de te débarrasser de tous les mecs qui n'ont pas fait de dons. Ah ouais? Eh ben, alors là, mon petit, c'est mal me connaître, les gars. C'est mal me connaître parce que j'en ai rien à péter. Je pourrais être hyper incolore, inodore, tout bien lisse. On serait 2000 sur le Discord. On serait 2000. Hein? On est 600 en 3 mois. Ce serait 2000. Je pourrais être tout bien lisse et. Oh, si tu. Ah, mais t'es mignon. Ah, mais t'es takers, mais je t'aime beaucoup. Givers, je t'aime beaucoup. Je t'aime tout le monde. Je t'aime tout le monde. Glousse. Je te glousse. J'aime tout le monde. Même les méchants, les gentils, les haters, ceux qui m'insultent, ceux qui me crachent. J'adore tout le monde. Tous les simracers de la planète. Tous. Même les gilets jaunes. Je vous aime. Les France Insoumise. Je vous aime. Les poutinistes. Je vous aime. Non mais les gars, voilà, moi je suis qui je suis les gars, je suis pas en train de vous demander de changer, je suis pas en train de vous dire, les gars il faut absolument penser comme moi parce que c'est pas bien, il faut quand même être dans la gratitude dans la vie quand quelqu'un te fait un truc qui te fait du bonheur et du plaisir, bah, en retour tu lui files 1 euro, peut-être que ça va lui faire aussi plaisir, je suis pas en train de vous dire de faire ça moi, je suis en train de vous dire vous êtes qui vous êtes, mais vous venez pas à moi me dire dans ma maison, tu dois faire ça. C'est ça que j'accepte pas. Dans ma maison, tu dois faire ça. C'est ça que j'accepte pas. Et je l'avais dit aussi dans la vidéo Discord. J'ai dit, si vous arrivez chez les gens et que vous leur dites que leur décoration, c'est de la merde et qu'il faut changer la télé et machin, bah, ils vont être vexés et ils vont mal le prendre. C'est logique, en fait. Et donc, à partir de là, c'est logique que moi, quand il y a quelqu'un qui va montrer qu'il a pas mes valeurs, eh ben, ça va me blesser. Voilà. Et je vous rappelle, les amis, que... Derrière la colère, il y a la tristesse et que la colère est une marionnette. La colère est un épouvantail. Et donc, moi, quand je suis en colère devant un message, en fait, ce qu'il y a vraiment, c'est de la tristesse, les amis. C'est pas de la colère. Moi, le mec, j'en ai rien à péter. Je le connais pas, je le verrai jamais. Il est loin de moi. Mais quand je reçois ce type de message, je me dis, putain, c'est un truc de dingue, quoi. Et ça me fout. Ça... Au début, j'ai la colère qui est là, mais après, derrière, j'ai la tristesse, les mecs. Parce qu'en plus, souvent, c'est des gens que j'aime bien. Et du coup, je me dis, putain, mais je me suis carrément planté, quoi, sur cette personne-là. Et ça me rend triste parce que je me dis, mais ils ont rien compris, quoi. Ils ont pas compris que moi, j'en ai rien à péter de faire payer mon Discord. Que les gens, ils viennent dans mon Discord, ils sont contents, ils trouvent l'information dont ils ont besoin, ils sont dans un groupe sympathique, ils roulent avec moi et c'est une super ambiance. Et à un moment donné, eh ben, ils peuvent témoigner de leur reconnaissance et ils peuvent dire, écoute, Philippe, moi, je te fais un don de 5 euros parce que je trouve que ce que je vis dans ton Discord, c'est génial, quoi. Et je m'y plais bien. Voilà, c'est tout. Et à aucun moment, je n'ai dit... Alors attention, les mecs, ça va être payant, machin. C'est parce que c'est inadmissible de ne pas payer. Vous vous rendez compte? Moi, je suis le meilleur, machin. À aucun moment, j'ai tenu ce discours-là. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est aussi indécent, les amis. C'est aussi indécent que le journaliste qui dit à Kylian Mbappé en interview, il dit à un mec qui gagne 350 millions d'euros, il faut prendre le bus et le train. Vous vous rendez compte de l'indécence du truc? Et ça, c'est encore des valeurs. C'est encore de la valeur, ça. Le mec, il dit à un mec qui gagne 350 millions d'euros, il faut prendre le bus et le train.
C'est d'une indécence. Alors après, on va dire, bah oui, c'est pas indécent, pas du tout, parce que tu te rends compte combien il gagne. Il devrait prendre le train comme la plèbe, comme les ouvriers. Tu comprends? Parce que c'est comme ça, il se mélange. Mais quel rapport? Quel rapport? Et pour en revenir au principe et au contexte, le principe, c'est le Discord, il est gratuit. T'as pas besoin de faire de dons. T'as pas besoin de passer par le lien à RSing de Philippe pour prendre ton abonnement à RSing. Mais le contexte, c'est... Putain, moi j'aime bien ce qu'il fait Philippe. Et si je suis sur son Discord, c'est parce que je l'aime bien. Et puis, sa chaîne, des fois, il dit des trucs un peu qui m'irritent un peu et qui hérissent le poil, mais des fois, il a quand même un peu raison. Quand il parle du Venim et qu'il dit que les arguments qu'il met en avant, bah, c'est les bons arguments. Eh ouais, et je l'ai fait il y a 8 mois la vidéo. Et quand il parle du CSLDD qui dit qu'il y a ça qui est bien et ça qu'il faut travailler, bah moi je reconnais que quand j'ai eu le CSLDD, bah il avait raison. Et puis quand je change mon force feedback par rapport à ses conseils, bah c'est vrai que j'ai des meilleures sensations. Et puis quand j'arrive pas à régler ma base AMS2 sur machin et que je vais voir sa vidéo et que je résous mon problème en quelques minutes, eh ben il m'a sauvé la vie. Et oui, alors sauver la vie de SimRacer, bien sûr. Et oui, et donc le contexte fait que bah je me dis, punaise, il mérite quand même un petit euro. Parce que là, faut quand même pas oublier les mecs, qu'on n'est pas en train de parler des 350 millions d'euros de Mbappé, on est en train de parler d'un euro. Un euro. Donc vous comprenez bien que c'est symbolique. C'est symbolique. Symbolique. Moi, il y a des gens, ils m'ont donné plus qu'un euro. Parce que eux, leurs valeurs, ce sont des valeurs qui sont proches de les miennes. Des miennes. Ils ont un système de valeurs qui fait waouh, ce qu'ils me donnent, ça vaut ça, je donne ça. Et puis il y a des gens, bah, ils ne peuvent pas non plus donner beaucoup parce qu'ils sont là, ils disent ah, c'est bon, moi j'ai envie de garder de l'argent pour m'acheter les voitures sur RSing et tout va bien, moi j'ai zéro problème. Le gars il dit bah attends, 10 euros c'est le prix d'une bagnole, c'est con, je donne ça à Philippe et puis je ne l'ai pas pour acheter une voiture, c'est normal. Moi je ne vais jamais dire à un mec oui, tu n'as pas donné assez, t'es un radin, ou t'es méchant, machin, pas du tout. Moi je regarde le symbole, les mecs, je regarde le symbole, c'est symbolique. Voilà. Et donc, tout est une affaire de valeur, de symboles et de principes et de contexte. La boucle est toujours bouclée avec moi. Et ce qui est sympa avec ma chaîne, c'est que c'est un suivi, ma chaîne. C'est pas un truc où t'arrives, tu regardes une vidéo et puis t'en vas, tu disparais. Les mecs qui comprennent vraiment et qui adhèrent vraiment à ce que je fais, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps parce qu'ils voient bien l'évolution. Et à chaque fois, les vidéos, elles font appel à une ancienne que j'ai fait avant. Et du coup, il y a un vrai cheminement. Et il y a une vraie compréhension du personnage. Il y a un truc, regardez le système de valeurs. Il y a un truc qui est arrivé à mes oreilles. Moi, au début, je teste tout. Je teste tout, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps en disant que si on est un vrai YouTuber, c'est une faute professionnelle de ne pas essayer la Porsche électrique de RSing, qui est une grosse merde. Mais c'est une faute professionnelle de ne pas l'essayer parce qu'on est YouTuber, donc on doit un peu voilà, essayer des trucs qu'on n'aurait pas essayé tout seul. Et donc je l'ai essayé, c'est une grosse merde, j'ai claqué 10 euros pour rien, c'est clair. Mais bon, vu que j'ai plein de liens RSI, je m'en fous, hein. Et donc j'ai essayé cette voiture et donc j'ai dit c'est de la merde, voilà, et bah, terminé quoi. Je vais pas vous dire que c'est bien alors que c'est pourri, tout ça pour justifier que j'ai payé 10 euros la voiture. C'est logique. Et donc l'idée, c'est de dire que il y a quelque temps la base Moza est sortie, les volants Moza sont sortis, tout ça. Moi je suis allé sur le site Moza, je suis YouTuber, je m'intéresse à tout, je regarde tout, les gars. Contrairement à ce que les gens pensent, je regarde tout, j'analyse tout et je suis pas là, non, je suis fan de tech. Non, je suis fan à tech, je regarde tout ce qui se passe. Et donc j'essaye tout, dès que je peux essayer, grâce à la chaîne forcément il y a beaucoup d'abonnés, donc je peux avoir des contacts qui me permettent d'essayer des choses. Et donc l'idée, c'est de, je suis allé sur le site Moza et pour voir les prix, eh ben, j'ai mis des choses dans mon panier. J'ai mis une base, j'ai mis un volant, machin. Et ensuite, bah, je l'ai éteint parce que je ne voulais pas acheter, donc j'ai éteint. Deux jours plus tard, le marketing Moza, il est super carré. Deux jours plus tard, je reçois un mail qui dit « Monsieur, vous avez oublié de valider votre panier. » J'ai rien oublié du tout, je ne veux pas l'acheter ta base. Mais vous avez oublié de valider votre panier. Alors, pour vous aider à prendre une décision, on vous propose 5% de réduction, 5% off. Et ils m'ont mis un code sur le mail. J'ai dit « Oh, bah tiens, oh, bah, ils sont sympas. » Et donc, moi, quand j'ai reçu ce code, qui était un code générique, j'imagine, moi, je suis allé dans mon Discord. Et j'ai dit, les gars, j'ai une promo pour Moza. C'est pas sympa. J'ai été sur mon Discord, et dans l'onglet promo, j'ai dit, les gars, j'ai une promo pour Moza, moins 5%. Il m'a envoyé un mail pour avoir 5%. Quelqu'un est tombé sur ce message. Donc, un mec qui est dans mon Discord et qui est un mec malveillant,
puisqu'il est allé après commenter dans d'autres Discord en disant « Oui, Philippe, il a un bon de réduction de 5% alors qu'il a dit qu'il n'achèterait pas la base Mozza parce qu'il trouve qu'elle est un petit peu bizarre, gna gna gna. Ce mec mange vraiment à tous les râteliers. » Voilà, les gars. Voilà. Voilà. J'ai pris une base Mozza, un volant, je l'ai mis dans un panier pour avoir le prix avec la TVA pour voir combien ça coûtait parce que j'avais des doutes sur la TVA qu'appliquerait le site chinois. J'ai vu le prix, j'ai dit « Oh, c'est bon, j'éteins mon site, un truc. » Deux jours plus tard, je reçois un mail qui dit « Monsieur, vous avez oublié de valider votre panier. Voilà, on vous donne 5% pour vous aider à prendre une décision. » Et puis du coup, je partage ça sur mon Discord en disant « Les gars, j'ai reçu un mail de Maja, j'ai 5% pour vous, allez-y, utilisez mon code. » Et c'est devenu « Le gars, finalement, gna gna gna, il a un code, machin, il a négocié. » Il s'est dit « Le gars, il a négocié avec Mozza, machin. » Ce mec mange à tous les râteliers. Voilà. T'as envie de lui mettre un coup de corne. Ah, voilà, les amis. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Le système de valeur. Vous voyez les choses pas comme elles sont. Vous voyez les choses telles que vous êtes. D'accord ? Donc, moi, je suis, par rapport à mon système valeur, ce que je suis. Et je vois les choses comme je suis. Et donc, à partir de là, bah, si j'estime que non, c'est pas normal de faire un don, blablabla, je vais essayer de justifier mon choix avec des excuses à deux balles, en disant « Philippe, il gagne de l'argent par-ci, par-là, mais quel rapport ? Quel rapport ? C'est toi, par rapport à toi, qu'est-ce que tu estimes que Philippe t'apporte et est-ce que ça vaut quelque chose ou pas ?» Voilà, c'est toi par rapport à toi, tu vas pas regarder « Oui, mais tu comprends, je te donne rien. » C'est comme le gars qui va à un anniversaire et qui dit à un mec « Écoute, tu sais, moi, je vais rien te donner parce que t'es déjà très riche et t'es déjà tout, donc je te donne rien. » Hein, parce que tu es déjà riche, pourquoi je vais te donner des trucs? D'ailleurs, c'est très emmerdant quand tu vas à un anniversaire d'un mec qui a beaucoup de thunes, parce que tu sais jamais quoi lui donner. Et du coup, il faut que tu lui donnes quoi? Il faut que tu lui donnes un truc symbolique. Tu vas pas lui donner un truc qui va avoir une valeur pécuniaire énorme, tu vas lui donner un truc qui va l'impacter émotionnellement, et donc tu vas chercher un cadeau symbolique. Parce que ce mec-là, tu pourras jamais le satisfaire avec un truc que tu pourras lui payer parce qu'il est plus riche que toi. Système de valeur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le Discord, les amis, maintenant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le Discord Field de Caressing? Alors, messieurs, regardez-moi bien. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde qui est allé au bout de cette vidéo, qui va durer 35 minutes. Mais regardez-moi bien, les gars. Je ne veux pas perdre de temps avec des takers. Je ne veux pas perdre de temps. Ça ne m'intéresse pas. Dans ma maison, je veux que des potes. Je veux pas des mecs qui pensent pas comme moi. Oui, c'est une dictature, si vous voulez. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. J'ai dit que je n'essaierai plus de convaincre les gens. Les gars, barrez-vous de mon Discord maintenant, tout de suite, parce que je n'ai pas envie de le faire. Moi, ça va me faire perdre du temps. D'accord ? Donc, les mecs, si vous êtes des takers, vous savez si vous êtes un takers ou pas. Je n'ai pas besoin de vous faire l'école avec un tableau. Vous le savez, les gars, si vous êtes des takers, c'est-à-dire si vous prenez, sans jamais rien donner en échange, cassez-vous de mon Discord maintenant. C'est maintenant. Allez-y, tout de suite. Vous faites clic. Je ne sais pas comment on fait pour se barrer d'un Discord, mais je pense qu'il doit avoir un bouton, clic droit, et vous faites « Je me barre du Discord ». Allez-y, les gars. Barrez-vous tout de suite maintenant, ok? Parce qu'il va y avoir le ménage derrière, et moi, ça va me faire perdre un temps fou, les gars. Et j'ai pas envie de vous bannir, de vous exclure, rien. Il y a plein d'onglets où on peut choisir si on exclut, si on bannit, machin. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça parce que ça va me faire perdre du temps. Donc, barrez-vous de vous-même, mes amis. Barrez-vous de vous-même. Vous avez mes valeurs, vous les avez eues là, je vous les ai données là dans cette vidéo et vous les avez de toute façon. Faites pas les innocents, faites pas les naïfs, vous connaissez très bien mes valeurs, vous savez très bien quand est-ce que vous allez me froisser ou quand est-ce que vous allez me caresser dans le sens du poil, vous le savez très bien. Donc, les gars, si vous êtes des takers, vous vous barrez, d'accord? La question ne va pas se poser pour les givers. Les givers, ils ont accès à vie à mon Discord. Ce sont des mecs à vie. Ils peuvent même presque aller jusqu'à me dire que ACC est net, eux. Presque. Ils peuvent presque me dire des trucs qui m'énervent. Mais comme c'est des givers, je leur pardonne. Et la question va se poser avec les matchers. Les matchers, c'est ceux qui donnent, qui reçoivent, qui donnent, qui reçoivent. Voilà. La question, elle va se poser avec eux. Je vais réfléchir, évidemment, que sur mes vidéos, je dirai quelles sont mes décisions par rapport à l'avenir de ce Discord. Mais en tout cas, il va y avoir du changement, ça c'est clair. Puisque
Ces petites expériences qu'on vit comme ça, les gars, ça nous ouvre les yeux et on doit progresser, on doit avancer, on doit évoluer. Quelqu'un m'avait dit l'autre jour, oui Philippe, oh bah tu changes d'avis, c'est quand même bizarre, mais c'est la base de l'être humain. Si vous ne changez pas d'avis, si vous n'évoluez pas, pauvre de vous, pauvre de vous, pauvre de vous. Vous êtes obligés d'évoluer, les amis. Vous êtes obligés d'évoluer. Si vous n'évoluez pas, vous êtes mort. Et donc moi, évidemment que j'évolue. Et ça, ça m'ouvre les yeux. Je dis ah bah tiens, il y avait ça. Ah bah j'avais pas vu ce dysfonctionnement. Ah bah c'est bizarre. Il y a des gens qui ont pas mes valeurs dans mon Discord. Ah bah et donc à un moment donné, bah ça va me faire prendre des décisions. C'est normal. C'est comme ça, les gars. Et on évolue tous, les amis. On évolue tous. Et surtout, il faut évoluer. Si vous êtes bloqué et que vous... J'ai vu un monsieur hier en séance, là, ça fait 6 ans qu'il fait rien de sa vie. Et il est complètement démuni parce qu'il dit « j'étais un ancien juriste, j'ai fait ça, il a fait plein de trucs dans sa vie. » À un moment donné, il est arrivé quelque chose de grave et ça a mis une coupure dans sa vie. Et ça fait 6 ans qu'il est là en train de vivoter au RSA, machin, alors qu'il gagnait beaucoup d'argent. Il était vraiment dans une vie très dynamique où il avait beaucoup de choses à faire. Et là, il dit, je tourne en rond, je me couche, je dors, je me lève, je dors, je me lève, je fume, je bois, je fume, je bois. Et il a envie de changer ça, donc il est venu me voir. Mais voyez, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire, ok, t'évolues, mec. T'évolues, et quand t'évolues, il faut que t'évolues selon un système de valeurs. Est-ce que tes valeurs, elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes? Moi, c'est pas à moi de vous le dire. C'est pas à moi de vous dire, oui, c'est pas bien, mais il y a un prix à payer. C'est-à-dire que si toi, ton système de valeurs, c'est de dire, bah moi, j'ai pas donné un euro, j'en ai rien à foutre, machin, t'es pas content, c'est mais y a pas de problème. Il y a zéro problème. Par contre, tu viendras pas manger à ma table la raclette. Tu viendras pas manger à la table la raclette. C'est tout. T'iras manger la paella dans d'autres discords. Voilà, mais chez moi, à ma table, la raclette, tu ne la mangeras plus. À bientôt mes amis pour une nouvelle vidéo. Désolé pour la durée de la vidéo. Mettez ça le soir en mangeant, je sais pas. Non, c'est pas bon de regarder la télé en mangeant. Mettez ça le soir avant d'aller vous coucher. Non, c'est pas bon, ça va vous énerver. Mais bon, bah, faites ce que vous voulez. Rien à péter, vous mettez vitesse rapide. Ça... Et puis voilà, et puis vous allez regarder super vite la vidéo. Allez, à bientôt. Et ceux qui m'aiment, bah, je vous aime. Allez, à bientôt les amis.